Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY pour faire du slime. Voilà. Alors vous aurez besoin d'un récipient et de quoi mélanger. Vous aurez besoin de colle pour le bois. Voilà. Vous aurez aussi besoin de mousse à raser et de solution pour les lentilles. Voilà. Et peut-être de colorant alimentaire si vous voulez le colorer, mais moi je vais en faire un blanc. Voilà, alors il va falloir que vous versiez la colle dans votre récipient, vous en versez pas trop non plus. D'accord, je l'avais pas secoué, faut secouer avant. Hop là. Il y a ça dedans. Ensuite, excusez-moi pour les bruits de fond, vous allez prendre votre mousse à raser, la secouer et en mettre dedans. Plus vous mettrez de la mousse à raser, plus ça fera un aspect fluffy. Voilà. Là, je veux que ça fasse vraiment très fluffy, voilà. Ensuite, vous mélangez la colle plus la mousse à raser. Et vous mélangez, jusqu'à que ben, ça se mélange entre les deux. Et aussi, vous voulez savoir qu'il y a un portable avec YouTube à côté. J'ai pas besoin de vidéo, DIY, ni rien. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait deux fois. Vous voyez, ça donne un aspect assez consistant déjà. Voilà, et ensuite vous prenez la solution pour les lentilles. Plus vous rajoutez de la solution pour les lentilles, plus ce sera consistant. Donc, on en met un petit peu pour le départ. Regardez, ça commence déjà à se former. On n'en met pas beaucoup. Prenez un récipient que vous vous servirez peut-être plus que pour ça. Parce que sinon, c'est pas très. Voilà. C'est pas conseillé de réutiliser après. Regardez. J'ai pas beaucoup de moyens pour tourner cette vidéo. Je peux pas faire avec la lessive parce qu'à chaque fois que j'essaie de le faire, ça ne fonctionne pas. Voilà. On mélange. Faut pas que ce soit encore un aspect assez liquide. Faut que ça ait un aspect assez consistant, vous savez, comme le vrai slime en fait. Ouais. Je vais regarder par-dessus, comme ça vous voyez, vous aussi. Je vais en rajouter. Vous voyez? Il faut que vous le gardiez dans un sac de congélation ou un endroit fermé, sans trop d'air. Pourquoi? Parce qu'après ça durcit sinon. Et si ça durcit, ben faut l'humidifier ou le réchauffer. Enfin, pas au micro-ondes ni rien, mais le mettre dans un endroit chaud, quoi. Vous voyez?
je vais continuer de mélanger et je vous retrouve tout de suite. Alors vous voyez, quand ça fait ça, vous pouvez commencer à travailler à la main. Donc ça, on va le mettre de côté. Et si ça colle encore, faut en rajouter comme ça, à la main. Et si ça colle de trop, faut aller vous laver les mains. Vous voyez, ça colle de trop. Donc il faut mettre plus de trucs comme ça, sauf que moi, comme je suis totalement débile, j'ai pris avec deux mains. Donc voilà la galère. Je vais la poser et je reviens tout de suite. Alors voilà, si vous avez tout ça comme moi, il va falloir reprendre la fourchette. Voilà, on va mettre un peu. Ne vous inquiétez pas, ça tâche pas du tout. Même si ça reste un peu collé par terre ou sur votre plan de travail, ça s'enlève très bien, ça se recolle à la pâte. Comme vous pouvez le voir ici, là. Je me recule en même temps. Je termine le tuto et je reviens tout de suite. Bon, alors voilà, mon slime. C'est vraiment un aspect slime, comme vous pouvez voir. Hop. Et je vais vous faire voir celui que j'avais fait juste avant. Bon, alors j'en avais fait un rose pailleté, voilà. Et celui-là, il est super bien. Bisous, je vous aime tous.